Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous restons dans le thème de Super Mario pour fêter la sortie du film et nous allons réaliser des Aquabeads. La dernière fois, nous avons réalisé Super Mario et cette fois-ci, nous allons réaliser Luigi et un petit champignon sur lequel saute Mario, que l'on connaît aussi sous le nom de Goomba. Allons-y! Pour réaliser les Aquabeads, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre la petite carte avec le modèle en dessous de la plaque et la ligne avec les trous, et ainsi il vous suffit de mettre les petites perles par-dessus, ou alors vous pouvez laisser le modèle à côté et le suivre avec votre plaque. Et voilà, le chapeau de Luigi est presque terminé et nous allons pouvoir passer à son visage. Pour le visage, nous allons utiliser des petites perles roses, deux perles noires pour les yeux et quatre perles brunes en forme d'étoile pour faire la petite moustache de Luigi. Et voilà, maintenant que nous avons terminé le chapeau et le visage de Luigi, nous allons pouvoir passer au reste du corps. Pour réaliser la salopette, nous aurons besoin de beaucoup de petites perles bleues et de deux petites perles jaunes pour réaliser les boucles de la salopette. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à réaliser les petites chaussures de Luigi avec quelques perles brunes. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'autre modèle qui est celui du petit champignon Goomba. Pour cela, nous aurons besoin de beaucoup de perles brunes, de quelques perles noires, de 4 perles blanches et de 3 perles beiges.
Et voilà qui est fait. Nous avons réalisé notre petit Luigi et le petit champignon. Nous allons maintenant pouvoir arroser les perles avec le petit spray. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, n'hésitez pas à mettre suffisamment d'eau pour que toutes les perles soient bien mouillées. Dans le manuel des Aquabeads, il est indiqué que vous devez laisser sécher la plaque environ 60 minutes. Je vous conseille de la laisser sécher au moins 2 heures. Et voilà! Maintenant que tout a séché, nous allons pouvoir retirer nos figurines. Et voilà le résultat! Nous avons un joli Luigi avec son petit chapeau vert et sa chemise verte, sa petite moustache et sa salopette bleue. Et le petit champignon Goomba sur lequel Super Mario saute. Et voilà le résultat! Nous pouvons placer nos petits personnages à côté du Super Mario que nous avons réalisé dans la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous réaliserons deux autres personnages, à savoir la princesse et le petit Yoshi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le thème de Super Mario, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt !